tous les câbles. 64. Ah ouais, t'inquiète. Ah ouais, je t'ai tout prélighté. Ouais. Et vu que t'avais pas assez de puissance dans l'appartement. D'accord. Je me suis branché sur le palier. Ok, parfait, nickel. Ça craint pas par rapport aux voisins, tu vas faire super gaffe. Hein. Non, on va gérer ça. Non, non. Ok, on va se dépêcher un peu, merci. Franck, oui. Si vous voulez, je peux faire des sandwichs pour toute l'équipe, si ce serait sympa. Maman. Quoi? Tu devais déjà pas être là, ok? Bon, bah d'accord, on s'en va. On s'en va. Non, viens. Bon, bah, désolé, Marie. Non, mais c'est pas grave, on va juste prendre nos affaires et puis on... Pas de problème, viens. Très bien, les enfants, on va se mettre en place. Yuri, s'il te plaît, tu vas t'installer là. Merci. Oui. Candice, ma chérie, tu vas te mettre à côté de lui. Voilà, merci. Pépita, tu te mets un peu en face. Voilà. Très bien. Alors, je vous file un petit scénar. Hop, bim. Voilà. Nathalie, tiens, toi, tu vas noter la durée du plan, ok, numéro de la scène, numéro de la prise, et puis surtout, tu fais gaffe aux détails, parce que, tu vois, chaque prise est un peu différente, donc... D'accord, okay. Je regarde tous les détails. Voilà, très bien. Elle a jamais fait ça. Non, mais ça va aller, intelligente, quand même, hein. Fais confiance un peu. Donc, Yuri, Candice, vous êtes deux étudiants en philo, hein, donc, bien sûr, un peu coincés. Et là, aujourd'hui, vous êtes chez votre prof pour soi-disant travailler, voilà. Je suis pas très à part de prof de philo, hein. Ouais, non, mais c'est une prof de philo qui est un peu perverse, quoi, tu vois. Elle a flashé sur Yuri, elle a envie de se le taper, donc là, aujourd'hui, vous êtes là pour un cours un peu privé, hein, tu vois ce que je veux dire. Oui, pas de problème, hein. Alors, la situation, elle est simple, hein, ok. Pépita vous donne un cours, donc au début, vous êtes super attentif, et puis à un moment, elle va écarter les cuisses, comme ça, ambiance basique instinct. Donc là, Yuri, toi, tu t'énerves un peu, tu te rapproches, tu lui roules des pelles, tu la tripotes, et vous commencez à baiser. Candice, elle est super sur la réserve, tu vois, un peu comme ça, et là, plus il baisse, plus t'es excité, ok. Donc à un moment, tu les rejoins, puis vous faites une petite baise à trois, voilà. C'est clair? Oui. Ouais. Ouais, on va d'abord faire la comédie, on fera le hard après. C'est ça le texte? De quoi? C'est pas bien, je t'ai trouvé un petit truc un peu olé olé. C'est sympa, non? D'accord, mais faut que je l'apprenne, moi. Mais non, mais je vais te le coller sous la caméra, comme ça, tu vas le lire, c'est pas compliqué. Tu veux répéter ou... Bah, non. Ok, bon, bah, on va tourner. Allez, en place. Il est déjà torse nu, lui. Ouais, Yuri, s'il te plaît, tu peux remettre ta chemise et ton pull. Ça te dérange pas? Eh. Hein? Non. Ouais. Ok. C'est mes cours que vous utilisez? Ouais. Ok, on y va? Attention. Action. Pour Spinoza, la passion n'est pas l'action du corps sur l'âme, mais l'action d'un monde extérieur sur notre corps. Ouais, vas-y, continue. Lorsque nous rencontrons un corps extérieur qui convient à notre nature... Vas-y, là, tu fais un gros clin d'œil à Yuri. Parfait. Sa puissance s'additionne à la nôtre. Voilà. Est-ce que tu peux le dire de manière un peu plus chaude maintenant, s'il te plaît? Non mais putain, comment tu veux que je te joue ça plus chaud? C'est quoi ce texte? Bon, coupé. Mais pourquoi on baisse pas plutôt? Mais on va baiser, putain, mais d'abord, il y a la discussion introductive, c'est normal quand même! Non mais attends, Franck, on est en 2011, les gens s'en foutent de ta discussion introductive! C'est vrai qu'on a peut-être pas besoin de tout ça. Oui. Marlène, s'il vous plaît, je... Oui, pardon, on y va, on y va. Parfait. Hein? Alors je rappelle l'idée. Bonjour. 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 Voilà, on est là pour faire des efforts, quoi. C'est peut-être le dernier film de Candice. Enfin, voilà, faut lui faire honneur. Il faut... voilà, faut que chacun y mette du sien. Ok? On y retourne? Ouais. Merci. Ouais. Allez, dégage-toi. Passion n'est pas l'action du corps sur l'âme, mais l'action d'un monde extérieur. C'est pas mal, mais on voit que tu lis un peu, quoi, tu vois. Je sais pas, peut-être essayer de donner l'idée en gros, quoi, tu vois. Moi, je veux bien, mais c'est quoi l'idée en gros? L'idée en gros, je sais pas. C'est des corps, les corps qui s'attirent, et voilà, qui. Enfin, voilà, quoi. C'est sur le rapport entre le corps et l'esprit, c'est ça? Bah, oui, c'est ça. C'est-à-dire que la nouveauté chez Spinoza, c'est qu'il est le premier à dire que l'esprit est indissociable du corps. C'est-à-dire que l'esprit ne peut exister sans le corps. Oui, c'est ça. Quand on meurt, l'esprit meurt avec le corps. Voilà. Oui, en fait, sauf que Spinoza, il va pas jusque-là à cause de la religion à l'époque. Les filles, s'il vous plaît, on peut s'y remettre? Merci. Allez, action. Non mais, tu sais quoi? T'as qu'à l'apprendre, hein, si tu veux. Tu voulais des étudiants coincés, mais t'as ce qu'il te faut, là. Oh là, on peut se concentrer un peu, puis être dans le calme, là, merde. Bon, coupé. Une pause de 2 minutes, là. Putain, il m'en manquait plus que lui. Tu vas participer au film? Non.
Je suis venu récupérer mes affaires. Je sais pas, moi, tes affaires. Tu crois que je me balade avec? Je veux aussi que tu effaces les photos. Ah bah, ça t'a pas fait marrer, dis donc. Ah bah, moi, ça m'a fait hyper marrer, hein. Hein, attends. Je vais te les effacer, tes photos. Regarde. Pépita, c'est toi qui m'envoie ça? C'est qui ce mec? Mais arrête de faire ça, putain! Eh, hey, tu te calmes, hein. C'est privé, ça va pas être diffusé, tu comprends ça? Mais se foutre de la gueule des autres, c'est privé aussi, hein? Non. Bah voilà. D'accord. Tu les effaces tout de suite, ou je viens te les prendre de force. Ah ouais? Vas-y, viens. On bac. Fais de la peine. Je vais les effacer, tes photos. Voilà. Merci. Ah, vas-y, tu peux te tirer maintenant. Ouais. Bon, bah, qu'est-ce que tu fous là encore? T'es resté sur ta faim la dernière fois? Bouh! Ouais, ça va? Ça se passe bien? Attention, le câble. Ouais. Ça, ça se passe bien? Oh, ouais, ouais, c'est rigolo. Bon, allez, viens, on reviendra plus tard. Mais attends, attends. Ça dit quelque chose? Quoi? Je sais pas, c'est toi qui... Mais t'es folle, ça va pas. Bah si, regarde, c'est la même écriture. Mais pourquoi j'aurais écrit ça? Bah je sais pas, peut-être parce que t'oses pas me le demander en face. N'importe quoi. Tu veux savoir ce que ça fait de me faire l'une par tous ces mecs? Bah rien. T'es contente? Bon, bah de toute façon, faut que j'y aille. Qu'est-ce qui se passe? Moi? Salut Candice, tu fais ta mijaurée, mais je sais bien qui tu es. Tu t'en es pris combien dans le cul? Ça te plaît de... Ah, mais c'est toi alors les petits mots? Bah ça m'étonne, dis donc, il y a du style. Non, 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 où tu vas? Ça commence à être très intéressant. C'est bon, j'ai voulu l'appel. Non, mais tu vas pas la défendre maintenant? Si. Ah, bah vraiment, un ramassis de tarés, tes copains. Attention, le câble! Quoi? Heureusement que c'était un accident du travail. Hein. C'est-à-dire que. On est assuré, mais. En tant qu'habitation, quoi. Vous n'avez pas déclaré le tournage? Bah. En tant qu'habitation, quoi. Vous êtes complètement irresponsable ou quoi? Mais non, mais c'est pas. Mais vous vous rendez compte qu'il va y avoir une enquête? Vous savez ce qui va se passer si jamais l'assurance ne prend pas en compte les dégâts? S'il faut tout refaire, hein, ça va vous coûter très cher. Bon, je vous rappelle qu'on est venu là pour voir Pépita. Hein? Oui, c'est vrai que peut-être pas le moment de parler de ça. T'as vu, je me jamais ces conneries d'un télo, hein? C'est Franck qui a eu l'idée, moi je voulais pas. Oh, ouais, c'est ça. J'ai bien hésité là à la fin quand même, hein? Quand on fréquente ces milieux, faut savoir gérer derrière. Faut être solide. Faut arrêter de regarder le nombril. C'est comme le X, c'est toujours pour ta pomme. Quand on dit ceci, quand on dit je pars là. En fait, tu sais quoi? T'es une frustrée comme eux. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes malade? Non, j'allais voir quelqu'un. Et vous êtes malade? Non, non, c'est mon chien. C'est son parc pour la promenade. C'est lui qui l'a choisi. Enfin, il est mort maintenant. Mais bon, j'ai gardé l'habitude. L'autre fois, vous êtes partie, mais ce n'est pas moi qui vous ai chassé, hein. Ouais, je sais, j'ai été nulle.
Vous savez, tout ça m'est bien égal. Ah bon ? Je sais très bien que les étudiants préfèrent les cours des autres professeurs. Vous croyez que j'entends pas les sièges qui claquent dans mon dos quand j'écris au tableau, quand ils prennent la peine de faire ça discrètement ? Mais là, c'est... J'enseigne une philosophie qu'on peut qualifier d'exigeante. Il faudrait quoi ? Abaisser le niveau ? Que je donne de faux espoirs ? L'autre jour, vous parliez du désir de vérité. Vous pensez vraiment que la vérité n'existe pas ? Oui, absolument. C'est la pire maladie de l'homme. Ah bon ? Mais c'est dommage parce que moi, ça m'intéresse. Ah, cherchez, et au mieux, vous aurez du vraisemblable. Et c'est bien, ça ? Ah, bah c'est pas mal. Mais ça demande beaucoup d'efforts, de sacrifices, de renoncements. Et vous êtes trop jeune pour renoncer à tout ça. Tout ça quoi ? À la vie, les gens, la vie sociale. Donc vous pensez qu'il faut être seul pour penser ? Il faut pouvoir confronter ses idées à celles des autres, c'est salutaire. Mais dans un premier temps, il faut pouvoir se forger ses propres convictions. Ça ne peut venir que de soi, dans un dépouillement certain. Même si on a des sentiments pour les autres ? Surtout si on a des sentiments pour les autres. Alors, relisez Pascal, fragment 132. Ah, forcément, tout ça demande un peu de courage. Mais bon, vous savez, mademoiselle, ce n'est pas le chemin qui est difficile. C'est le difficile qui est le chemin. Oui, ben, on ne va pas lui donner complètement tort non plus. Hein. C'est vrai, si Candice n'était pas partie dans ses délires de fac de philo, on n'en serait pas là. Même à la limite, je vais vous dire, je veux bien qu'elle arrête le X, mais je ne veux pas qu'elle fasse de la philo. Candice, t'étais où ? On te cherchait. Candice ! Candice ! Oh. Ah bah t'es là. C'est la merde, hein. Vous me faites tout chier. Bah quoi ? T'as entendu ce qu'elle a dit, ma mère ? Bah c'est bon, c'est pas moi, hein. Moi, j'ai rien contre le fait que tu fasses de la philo, hein. Mère Connect, jusqu'à maintenant, ça apporte que des emmerdements. Puis ta mère, je sais pas ce qu'elle a depuis le début avec ça, et elle est tendue. J'y vais, Franck. Bah, tu vas où ? Je sais pas, je trouverai. Bah, tu trouveras, ça veut dire quoi ? Y a quelqu'un d'autre, c'est ça ? Et puis c'est qui le bureau avec qui tu discutais dans le jardin, là ? Mais non, mais attends, tu vas pas partir comme ça, enfin. T'es énervé, on est tous énervés, on fait tous n'importe quoi, là. Hein ? Je vais faire quoi, moi ? Moi, j'y vais. Mais non, mais... Bon, alors, on dit qu'on fait un break. Je vous laisse vérifier et signer votre contrat en bas à droite. Voilà, je vais vous le donner, c'est le vôtre. Merci. Voilà. Merci, au revoir. Bonne journée. Enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Un tout à l'égard du néant. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Encore vous. Bah ouais, parce que je savais que vous seriez là. C'est bien ce que vous m'avez donné la dernière fois. Pascal. Mmh. Au début, je comprenais pas tout, et puis... faut que je me détende, et ça vient, doucement. Qu'est-ce qui vient doucement ? Bah, je veux dire, je comprends progressivement. Enfin, je comprends pas tout, hein. Mais d'un coup, une phrase et... tac. Vous découvrez tout ça, en fait.
Non, enfin je... Non, je veux dire, vous avez l'air d'accueillir ces vérités métaphysiques comme une délivrance. Ouais. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. J'ai vraiment envie de continuer. Hein. Et j'ai vraiment envie de continuer avec vous. D'ailleurs, je peux vous payer, hein. Tenez. Oh non, 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 non. Je ne donne aucun cours particulier. S'il vous plaît. Non, 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 non. J'ai moi-même du temps à consacrer à la recherche. Je dois terminer un livre. Je ne peux pas me permettre de m'éparpiller. Vous êtes inscrite en licence. Allez suivre les cours. C'est la balle de kiwi? Oui. Vous devez être triste, hein? Oui, un peu, oui. En même temps, il était très vieux. Il a eu un œdème pulmonaire, on a dû le piquer. Mais bon, c'est stupide, ces tentations anthropomorphes. On peut pas s'empêcher de projeter. C'est ridicule, ça reste un chien. Merci. De rien. Écoutez, si vous voulez m'accompagner parfois dans ma promenade quotidienne, je ne m'y opposerai pas. C'est vrai? C'est un espace public, après tout. Merci, je suis hyper contente. Et sinon, vous n'auriez pas d'autres trucs? Des trucs? Bah oui, parce que Pascal, Descartes, tout ça... Enfin, des trucs dans le même genre, quoi. Ou même plus hard, hein, si vous voulez. Vous êtes sûre d'avoir bien compris Pascal? Bah oui, un homme perdu entre deux infinis... Ouah. Je sais pas, moi, essayer Schopenhauer. Le monde comme vérité et comme représentation. Ça ne peut pas vous faire de mal. Comment vous dites? Schopenhauer. Schopenhauer. Merci. De rien. Au revoir. Du riz au lait, t'en veux? Oui, oui, je veux bien, mais merci. Bon, je t'ai pas mis de sucre, hein. Tiens. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ta fille a vraiment besoin que tu lui parles. Et si tu le fais pas, c'est moi qui le ferai. Mais c'est pas à toi de faire ça. Bah si, c'est à moi, puisque tu veux pas le faire. Bah, je sais bien que tu me prends pour quelqu'un de faible, mais je suis pas si faible que ça, hein. Puis ok, bon bah je serai toujours deuxième par rapport à lui. Mais je veux t'aider. Je veux aider Karine. Enfin, je veux aider ma famille, quoi.